Salut tout le monde, c'est Dadou, comment ça va? Moi je vais super méga bien. Et bien on est reparti aujourd'hui avec Logistique Company. Et on va avancer la journée et on s'est fait 83 000 euros. C'est royal. Alors le train de fret, donc on a un conteneur à charger, donc c'est celui-ci, celui qui clignote. Tac. Du coup on va aller le charger. Donc encore désolé pour le souci technique que j'ai eu. Pas mal de jours apparemment, je m'en suis aperçu en fait quand quand on me l'a dit, hein, clairement. Parce que mais oui, je ne savais pas, et du coup oui, j'étais comme un grand. Alors hop, on va le charger de lui. Pouf. Et vu qu'on a beaucoup de boulot, eh ben on va pas se chier. On va le mettre ici, s'il te plaît. Clairement, parce que là, on a une journée de dingue aujourd'hui. Oui, oui. Voilà. Hop. Donc ça, c'est fait. Alors, décharger le porte-container. Et c'est là que ça commençait à merder. alors, ah bah oui, tout est vide ici. C'est royal. Donc on a celui qui est tout seul là à vider. Alors je mets juste pour le vent, on en chie. Donc s'il y a des musulmans qui nous suivent, qui me suivent du moins, bah écoutez, joyeux ramadan, ça va clairement être moins dur pour vous que pour moi. On est en train d'en chier quelque chose de mignon ici, et je peux vous dire que faut s'accrocher, faut voir. Donc je vais essayer, donc niveau nourriture, tout ça je vais le faire. Par contre je sors de déshydratation, donc je suis pas sûr de pouvoir le faire. C'est pas vraiment recommandé, surtout avec la chaleur qu'on a en ce moment, c'est horrible. Alors du coup, hop, on va aller vider donc cinq autres conteneurs maintenant, puisque c'est la prochaine chose à faire. Et eh bien on aura les quatre camions à décharger par la suite. Autant vous dire que voilà, on a du boulot de ouf, on a une journée de dingue aujourd'hui. Clairement on va pas chauffer, je vous l'avoue. On va pas chômer du tout. Ça va être wow. Ça va être costaud. Voilà, c'est tout. C'est beau, hein. Mais ouais, là on a ça, on a 4 camions. Le port, ça prend. On va vider un bateau, on imagine si on avait les deux. Ouf. Ça se voit le bordel. Oui, oui. Donc voilà, hop, le deuxième de ces quel nom là de mon client. On va regarder. Ouais, c'est bien Sensei. Je le savais. Alors du coup,
Hop, on met ça ici. Hop là. Voilà. Au troisième. C'est un truc de ouf, hein. Ça prend un temps de fou, ces petits bateaux. Et que tu mettes, de toute façon, que tu mettes dans la zone de stockage arrière, ou enfin là-bas, au fond, là où on est actuellement. Ou l'autre, c'est exactement pareil. Tu mets trois plombes à venir sur ta voiture. Oh. Bah, après, voilà, c'est vrai que les vrais conducteurs de grue, les dockers, tout ça, ils sont entraînés, ils ont l'habitude de ça, ils savent quoi faire, etc. etc. Donc, ouais. C'est pas, voilà, pour eux, mais il n'y a même pas de problème. Là, c'est là qu'est le truc. De toute façon, je suis sûr qu'il va falloir tous se bouger. Mais ouais. Hop là. Tac. Ça va être dur là-dedans. Vivre la nuit, dormir le jour, sachant qu'il y a le boulot l'après-midi. Compliqué. Alors, hop. Voilà. Et le dernier, donc sur le porte-conteneur. C'est triste. Donc voilà. Et ben voilà. Et puis c'est fait. On n'en parle plus. On va bouger cette grue au cas où. Voilà. Et maintenant, on va aller décharger donc les quatre camions. Et donc c'est nos friendly floats là, qui sont là. Friendly floats. D'eau dedans. Wouhou. Voilà. Le premier. Donc voilà, clairement le mec est payé à temps. Hop, voilà. On se la met bien. Voilà. Faut passer devant. Mmm.
Friandly Floates. Float. Hop, on attend qu'il parte. Dépêche-t'y donc. Hop là. Si je te le fais. Hop là. Mettre ça. Si. Oh, pour une fois, on est bien plaidé. Enfin, presque. Mais quand même. Et le dernier. Alors demain, je crois qu'il y en a que un seul qui part encore. Je sais plus. Non, demain, non. Demain, il y a une chie aussi. Oui, il est violet, là, ou rose, je sais pas quelle couleur, là, les violets fluo, là. Les violets petites putes. Hop. Voilà, ça c'est fait. Donc on a fini de décharger. Maintenant, ben ouais, je vais préparer pour charger. Le rangagiste, mais il va dans. Alors. Et baguette dedans. Les 12 ils partent autres. Hein. On s'épouse, on met des. Ça c'est le 16, ça c'est le 18, ça c'est. Allez, le 12. Hop. Le 12, il dote dedans. Donc voilà, il y en a 4 qui partent au printemps. C'est bon ça. Donc du coup, ben voilà, on va tous les emmener là-haut. Et comme un gros naze, j'ai oublié de. J'ai la grue. Voilà. Voilà, ça va aller mieux. Tac. Symbole de la lune. Et moi je fais le con, je pète de rien complète. Si je commence à chanter ces chansons merdeuses, que ça va durer. Hop là. Le premier. Donc on va aller placer le deuxième immédiatement. Après, au-dessus. Là, je commence à fatiguer là. Il va être 2h du matin, ici. Donc, il est 19h en France. Ici, on a jusqu'à. Alors, pour info, hein. Voilà, pour ceux qui font le ramadan ici, on a jusqu'à. Je crois que c'est 5h30, je crois. Comme ça pour. 5h ou 5h30, un truc dans le genre. Pouvoir manger. Après cette heure là on mange plus jusqu'à 18h. Ah bah c'est chaud patate.
Alors, 2. D'abord, 5 deuxième là. Non, il faut que j'arrête. Et ça, et je te jure, pendant un mois, je vais péter. Allez, je sais pas pourquoi j'ai reculé. Tac. Oui, je te forcerai être comme moi. Le premier qui disait tout le temps, je pète la gueule. Alors. Tac, le troisième. Voilà. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, Katé. Wouhou. Oui. Oui. Et moi, il est parti en sucette, moi. Et donc, ça ne va pas. Tac, voilà. Et du coup, voilà, c'est celui-ci. Et donc, il y aura celui-ci, donc le 13. Donc, ben, on est tranquille. Ça, alors. J'ai envie de taper le mur, ce serait bien. Voilà, pof. On prend lui. Voilà. Sans encombre, tout doucement. Et en avant. Et voilà. Juste vérifier après qu'il n'y ait pas de 13, mais d'autres 13 que celui justement. Qui part en train de main, mais normalement non. Tac, voilà. Hop là. Donc, normalement, non, voilà, là c'est le 16, c'est le 2, et là c'est le. Oh merde, le 13 aussi. Ah oui, il part en camion. Ben, on les bougera demain, hein. Lui part en train, donc, ouais, on bougera demain parce que ça. Les friendly floaties, il va falloir qu'on regarde qu'ils font. Du moins avec les dates, on va regarder la vite fait. Non, c'est quoi, non. Donc voilà, avec coffee time, donc ça arrive le 12, on part le 17, arrive le 20, on part le 20. Baguette, donc c'est parfait ça. Hop, on l'accepte. Et bien écoutez les amis, c'est terminé pour aujourd'hui du coup. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, profitez-en, c'est rare. Et moi je vous dis à demain pour Logistique Company et à plus tard pour une autre vidéo d'un autre jeu. Ciao, ciao.